de Noël. Tout le monde est rassemblé à la table où grand-mère nous a préparé un gros souper de Noël. Mais je n'ai pas vraiment un goût de fêter. Il me semble qu'il manque quelque chose. Pourtant, la maison est remplie de jolies décorations. Il y a même un bel arbre de Noël. Et aussi, il y a la crèche. C'est grand-mère qui l'a fait il y a bien longtemps. La crèche. Un âne, un bœuf, des moutons, des bergers, un ange, Joseph, Marie et l'enfant Jésus. Noël, c'est pas supposé être sa fête. Allons donc, Annick. Ne sois pas si triste. C'est un jour de fête. Mais tu ne peux pas parler. Tu n'es qu'une statue. Peut-être, mais donne-moi la main et viens voir ce qui s'est vraiment passé. Vois-tu, tout a commencé lorsque Marie reçut la visite de l'ange Gabriel. Regarde bien. Marie, réjouis-toi. Le Seigneur est avec toi et te comble de grâce. Marie eut très peur, car elle ne comprenait pas ce que cela signifiait. Mais l'ange Gabriel la rassura très vite. N'aie pas peur, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, et tu le nommeras Jésus. Il sera grand et sera le plus beau cadeau donné au monde entier. Mais comment cela sera-t-il possible, puisque je suis vierge et que je ne suis pas encore mariée? Dieu enverra son Saint-Esprit sur toi et la puissance de Dieu te couvrira. J'appartiens au Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu viens de le dire. Mais toi, Joseph, tu étais fiancé à Marie. Tu n'as pas trouvé ça bizarre qu'elle soit enceinte? Eh bien, Dieu prépara mon cœur afin que je n'aie pas honte de Marie et que je l'accepte telle qu'elle était. Ah, oh, l'amour, ça fait de grandes choses. Il n'y avait pas une histoire de méchants rois et de bergers? Oui, bien sûr. Je vois que tu as déjà lu notre histoire. Le roi Auguste donne alors de faire un recensement de tous les habitants de l'Empire romain. Tous les gens se rendaient chacun dans leur ville natale. J'ai donc pris un âne et demandé à Marie de m'accompagner à Bethléem, en Judée. Marie était déjà très avancée dans sa grossesse, et il faut dire que dans mon temps, les voyages étaient beaucoup plus longs. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons été dans plusieurs auberges, mais le seul lieu que nous avons pu trouver était une petite étable. J'ai donc arrangé un lit de paille pour Marie et j'en ai fait un plus petit pour le bébé. Puis, lorsque le bébé est né, c'était un beau petit garçon. On l'appela Jésus. Mais le roi n'était pas méchant. Nous aussi, il y a des gens qui viennent frapper à notre porte pour un recensement, et cela ne veut pas dire que le gouvernement est méchant. Enfin. Et les bergers là-dedans, ils se situent où dans l'histoire? Attends, j'y arrive. Pendant que nous étions si heureux d'avoir Jésus avec nous, le ciel tout entier se réjouissait. Les anges étaient si heureux qu'ils ne pouvaient garder le secret pour eux seuls. Alors, Dieu leur demanda d'aller répandre la bonne nouvelle aux simples bergers. Dans les champs, des bergers passaient la nuit à la belle étoile. Ils surveillaient tour à tour leurs troupeaux. Quand soudain, tout autour d'eux rayonna une lumière. Ils eurent très peur. N'ayez pas peur, car je vous annonce une grande nouvelle. Jésus, le Fils de Dieu, est né ce soir.
il sera pour vous un sauveur. Vous pourrez le trouver dans une étable, couché dans un lit de paille. Il est dans la ville de Bethléem. Puis, tout à coup, une multitude d'anges se mit à louer Dieu, et ils disaient : La gloire est à Dieu dans les cieux très hauts, et sa paix est accordée sur la terre aux hommes qu'il aime. Suite à cette nouvelle, les bergers se mirent en route pour Bethléem. Ils nous y trouvèrent, dans cette humble étable où le Fils de Dieu est né. Ils nous racontèrent alors tout ce qui s'était passé. Un peu plus tard, lorsque les mages sont... Les quoi? Les mages? Oui, ce sont des gens très instruits et ils savaient reconnaître les signes que Dieu envoyait dans le ciel. Un peu comme des astronomes? Si tu veux. Alors, quand les mages ou astronomes sont arrivés à Jérusalem, ils demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? » Dans le ciel d'Orient, nous avons vu apparaître son étoile, et nous sommes accourus pour nous prosterner devant lui. Quand le roi Hérode apprit que les mages cherchaient un roi qui venait de naître, il fut très troublé. Il convoqua les mages afin de leur demander le moment précis où l'étoile leur était apparue. Mais quelle étoile? Les mages avaient vu dans le ciel une étoile qui brillait de plus en plus et qui suivait un certain trajet. Alors, les mages se mirent à la suivre et ils arrivèrent à Jérusalem parce qu'ils s'étaient dit que sûrement le roi naîtrait dans la capitale. Ils étaient loin de penser qu'il naîtrait dans une humble étable. Moi, il y a quelque chose qui me dit de ne pas faire confiance à ce roi. Et tu as bien raison, car lorsqu'il a fait venir les mages, il leur a demandé où se rendait l'étoile et depuis quand il l'avait remarqué, sous prétexte qu'il voulait lui aussi aller se prosterner devant l'enfant. Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant et dès que vous l'aurez découvert, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui et lui rendre hommage. Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Arrivés à Bethléem, l'étoile s'arrêta. Alors, les mages entrèrent. Ils tombèrent à genoux. Ils se prosternèrent devant lui et l'adorèrent. Puis, ils lui offrirent des cadeaux. Qu'est-ce que c'était ces cadeaux? Eh bien, le premier offrit de l'or. Le deuxième, de l'encens. Et le troisième, de la myrrhe. Est-ce que les mages sont repartis au palais du roi? Non. Car Dieu, durant leur sommeil, leur a dit de ne pas retourner vers Hérode. Alors, le lendemain matin, ils sont repartis par un autre chemin. Oh là là, le roi a dû être très fâché. Et comment? Marie, Jésus et toi, êtes-vous restés à Bethléem? Eh bien, durant la même nuit que Dieu avertit les mages, un ange vint m'avertir à mon tour. Joseph, lève-toi, prends Marie et Jésus et partez tout de suite en Égypte. Tu resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode ne va pas tarder à faire rechercher l'enfant pour le tuer. Alors je me suis levé tout de suite, nous avons pris nos bagages et nous sommes partis dans la même nuit. Nous sommes restés en Égypte jusqu'à ce que le roi Hérode meure. Tu as dû avoir une peur terrible. Oui, effectivement. Mais je savais que Dieu nous protégerait. Après la mort d'Hérode, nous sommes allés en Galilée et nous nous sommes établis à Nazareth, là où Jésus a grandi. Alors, c'est donc ça l'histoire? Eh oui.
Et tu sais, Annick, quand Dieu décida d'envoyer Jésus sur la terre, c'était pour qu'il nous sauve de nos péchés en mourant sur une croix. Mais le troisième jour, Dieu le ressuscita. Et maintenant, Jésus vit à jamais au paradis avec Dieu. Tu sais que c'est le seul cadeau de Noël qui vivra éternellement? Mais comme tous les cadeaux, il faut le recevoir, sinon il ne nous appartient pas. Et Jésus veut qu'on l'accepte et désire prendre la première place dans notre cœur. Wow! Joseph, il faut absolument que ma famille sache la vraie histoire, ce qui s'est vraiment passé, et que Jésus est le plus beau cadeau que quelqu'un peut recevoir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.